est une jeune étudiante à la fac de droit à Saint-Quentin en Yvelines. Pour arrondir ses fins de mois, elle fait un peu de babysitting. Elle a accepté une mission, une maison, à la lisière de la forêt de Rambouillet, où vit un jeune couple fort sympathique. Ils ont un petit garçon de 6 ans. Nora, ce soir-là, prépare ses affaires, prend sa voiture, se rend à la lisière de la forêt de Rambouillet et arrive devant une maison lugubre, très sombre, très grande. Elle n'est pas très rassurée, mais elle a besoin de cet argent. Elle entre, sonne à la porte, le couple lui ouvre. Ils sont vraiment très gentils et très souriants. À l'intérieur de la maison, un désordre sans nom. Des cartons qui ne sont pas encore ouverts et des tonnes d'objets partout. Nora est un peu surprise et le couple lui explique qu'ils rapportent des objets de leurs différents voyages. Ce sont des collectionneurs. Elle fait le tour de la maison. Et quand elle monte à l'étage, elle voit une grande pièce. Cette pièce, à l'intérieur, il y a un canapé, une télévision, une table avec une chaise et tout au fond, des statues. Des statues à taille réelle. Il y en a partout. Il y a un chevalier avec son armure, il y a un roi, un bouffon, un clown, une cuisinière. Vraiment des tas et des tas de statues différentes. Nora n'est pas très rassurée. Elles ont l'impression que ces statues sont presque vivantes. Le couple s'en amuse et lui explique que souvent les gens ont peur des statues, mais qu'il n'y a rien à craindre. Il lui explique qu'une fois l'enfant couché, il faudra qu'elle reste uniquement dans cette pièce. Ils ont des objets précieux à l'intérieur de chez eux. Ils ne connaissent pas encore Nora, ils n'ont pas envie de la savoir en train de fouiller un petit peu dans la maison. Elle est d'accord, le couple part, la jeune fille s'occupe du petit garçon, il mange, se brosse les dents, elle lui raconte une histoire et va le coucher. Elle doit aller dans cette pièce, grande, froide. Elle s'installe à la table pour travailler un petit peu, dos aux statues. Après quelques instants, elle se sent mal à l'aise, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Elle se retourne et là, elle voit la statue de clown. Celle-ci est différente des autres, encore plus réelle. Elle en a peur, sans aucune raison. Elle décide de ne pas y prêter attention et se replonge dans ses exercices. Encore une fois, elle sent quelque chose derrière elle. Elle se retourne et là, elle a l'impression que la statue a bougé, très légèrement. Elle se dit que c'est son imagination, que c'est sans doute les ombres, un effet de lumière. Et elle décide d'aller dans la cuisine se préparer un chocolat chaud. Quand elle remonte avec son chocolat, elle le fait presque tomber par terre. Elle est presque sûre cette fois-ci que la statue a changé de position. Oh, pas grand-chose, mais son bras, il n'était pas un peu plus bas tout à l'heure? Nora, pas très rassurée, regarde autour d'elle. Elle voit au fond du salon un grand drap. Elle le prend et recouvre la statue du clown avec. Et puis cette fois-ci, elle se pose dans le canapé avec un livre pour avoir les statues dans son champ de vision. Petit à petit, Nora s'endort. Elle est réveillée par un grand claquement. Elle se réveille en sursaut, regarde partout. Et quand elle regarde les statues, elle voit que le drap est tombé de la statue du clown. Elle se dit qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette maison. Et puis elle réfléchit, elle se dit « Quelle idiote je fais, sans doute que le drap était trop lourd ». Au moment où elle se calme un petit peu, une sonnerie retentit. Nora sursaute. Ah, le vieux téléphone de la maison. Et oui, il y a encore des couples qui utilisent le téléphone avec un fil. Elle descend les escaliers, répond au téléphone. C'est le papa du jeune garçon qui l'appelle pour savoir si tout se passe bien. Nora lui explique que oui, avec le petit garçon, tout s'est très bien passé. Mais elle lui avoue, un peu honteuse, qu'elle ne se sent pas du tout rassurée dans la pièce aux statues.
L'homme rigole, essaye de la rassurer. Et Nora prend son courage à deux mains et lui dit « Écoutez, il y a vraiment une statue très bizarre qui me fait froid dans le dos. C'est votre statue de clown. » À cet instant, silence au bout du fil. Elle entend le papa certainement chuchoter à l'oreille de sa femme quelque chose. Quand le papa reprend le téléphone, il dit calmement et froidement à Nora « Allez chercher notre petit garçon, sortez de la maison, nous n'avons jamais eu de statut de clown. »